Alors, je fais un nouveau document. Touche F, voilà. Et alors, vous avez vu que quand on dessine des formes, elles se dessinent selon deux axes, vertical, horizontal. On est d'accord. Et si je voulais dessiner les formes selon des axes différents, eh bien, on peut le faire dans Illustrator. Et ça peut être intéressant. Je vais supprimer ceci, ces deux formes que je viens de dessiner. Et je vais ici dans les préférences Illustrator, donc menu édition, préférences. Et ici, aux préférences générales, vous avez l'inclinaison des axes. À la place de 0 degré, je vais par exemple indiquer 30 degrés. OK. Et maintenant, quand je trace sur le plan de travail, eh bien, je trace mes rectangles à 30 degrés. Voilà. Amusant, ça. Pour faire des affiches, ça peut servir. Par exemple, voilà. Je redimensionne ce rectangle. OK. Je vais mettre du texte dedans. Je clique avec l'outil texte sur le rectangle. OK. Palette caractère, je vais agrandir. Menu fenêtre, texte, caractère, je vais agrandir le texte ici. Par la palette paragraphe, je vais le centrer. Pourquoi est-ce qu'il se centre comme ça? Bonne question. Non, non, il ne s'est pas mis dans le bloc en fait. Il s'est mis par-dessus, tout simplement, oui. Si je voulais le mettre dans le bloc, il fallait que j'utilise l'outil texte captif, c'est le deuxième outil. Oui, j'ai cru que j'étais comme dans InDesign et que ça allait, si le rectangle était sélectionné et que je clique avec cet outil-là, que ça allait le mettre d'office dedans, mais normalement, oui. Oui, OK, ça a marché, là. Même avec l'outil texte normal, quand on clique sur un objet sélectionné, ça met le texte dedans, mais le rectangle a perdu ses... Le rectangle a perdu ses couleurs. Un bloc qui sert de texte captif, pour du texte captif, il n'a pas de couleur. Voilà. OK. Bon, ben, faut voir à quoi tout ça pourrait vous servir. Ça peut servir à faire des affiches, donc. Il y a un peu le genre de truc, c'est un petit jeu graphique, quoi. Bon, il vaut mieux quand même aligner les rectangles les uns par rapport aux autres pour que ça ait un peu de cohérence graphique. S'ils sont mis un peu n'importe comment, ça ne va pas. Donc, je vais quand même essayer de les aligner un peu les uns par rapport aux autres pour qu'ils soient dans le prolongement l'un de l'autre. Voilà. OK. Donc ça, c'était travailler en tournant les axes.